split squat front foot elevated. C'est un split squat traditionnel, mais au lieu d'avoir le pied de l'arrière élevé, on a le pied vers de l'avant. Ce que ça permet, c'est d'aller vraiment dans un angle plus intéressant, peut-être un peu plus stable pour la jambe. Donc, ce qui est important, c'est d'assurer d'avoir le genou que ça va loin vers l'avant et le genou qui revient loin vers l'arrière. On veut s'assurer vraiment d'avoir une extension qui est complète au niveau du quadriceps parce que ça vient travailler le muscle dans son amplitude la plus complète et lorsqu'il est le plus contracté possible. Donc, extrêmement intéressant d'utiliser de cette façon-là et essayer de faire une jambe au complet et switcher à l'autre jambe par la suite.